Salut, bienvenue sur Max Reportage pour un essai de la Yamaha XV950R, la Bolt, un custom lowrider. Pourquoi lowrider? Parce qu'on est assis vraiment très près du sol avec une selle très basse. Alors on retrouve un bicylindre en V à 60 degrés qui délivre 52 chevaux pour un couple de 80 Nm, avec une boîte à 5 rapports et une transmission par courroie. Pour une machine à 9 500 euros, on peut quand même regretter la présence de plastique un peu partout, les fils, et puis bon, bah, le cadre en acier, la petite fourche à l'avant. Je dirais que pour ce tarif-là, ils auraient quand même pu mettre du plus gros matos. L'instrumentation est joliment présentée et on a accès ici à des boutons de réglage très accessibles. Par contre, on n'a pas énormément d'informations, juste deux tripes et l'heure. Donc c'est limité. Ça fait un bruit bien rauque. Avec les normes d'aujourd'hui, il va falloir prévoir l'achat d'un échappement, une sortie d'échappement un peu plus virile. Alors on a du couple. Hop, voilà, on est tout de suite à 90 sur le cinquième rapport. Donc comme vous l'entendez, il y a pas mal de vent parce qu'il n'y a aucune protection. Mais grâce à la suspension de cette version R à l'arrière, c'est quand même très bien amorti, ça tape pas. Et ça fait partie, je dirais, des qualités de ce custom. Il est plutôt confortable. Ça reprend bien, c'est agréable, on peut évoluer sur le cinquième rapport, je dirais de 50 à 150. Là on va se faire un petit freinage. Alors la fourche plonge, mais ça manque un petit peu de mordant. En revanche, l'avantage c'est que ça bloque pas parce qu'on a l'ABS. La consommation, moi j'ai relevé 5,6 litres. Je dirais que le seul gros défaut c'est l'autonomie, parce qu'avec le réservoir de 12 litres on est vite à court. À 160 km la réserve s'allume. Mais au final on a un joli petit custom avec un très bon niveau de confort, un moteur agréable, et puis on peut compter sur la fiabilité Yamaha, ça c'est quand même pas négligeable. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2014 et à très bientôt sur Max Reportage. Merci beaucoup Norbert pour ton coup de main.